insignifiant. Tue-le! Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non! Aide-le! Salut les tikis, c'est Minigoss40 ou Wonshu. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Star Wars Pour de la Force. Étrange, non? Eh bien, je vais pas tarder à vous faire découvrir pourquoi. Voilà. Ah bon? On peut se battre contre Darth Vader? Eh oui. Donc ça, c'était un peu ma surprise que je voulais vous faire... Bon, attendez. Je le sens dans les oreilles, je vais baisser un peu parce que... Avec l'autre qui respire, là, c'est vraiment désagréable et super fort. Là, j'ai carrément plus de son. Bon, je vais remonter un peu. Parce que, vous savez, j'ai le son du casque, donc c'est vraiment désagréable quand je parle. Voilà, là, c'est déjà mieux. J'entends à peu près, donc je vais pouvoir m'entendre parler, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Star Wars Pouvoir de la Force. Alors mais pourquoi vous allez me dire? Eh bien parce que sur Star Wars Pouvoir de la Force, bon, c'est un jeu très très linéaire, hein, y a pas de possibilité, c'est pas un RPG non plus. Mais à la fin, on peut décider de comment terminer le jeu, et donc de la façon dont on termine. Donc ça dépend uniquement d'un seul choix. C'est contre qui nous allons combattre. Parce que comme vous avez vu sur la cinématique, on n'a pas forcément que le choix d'affronter l'Empereur. On peut aussi affronter Darth Vader. Et donc j'ai envie de dire qu'il y a un choix Sith et il y a un choix Jedi. Alors celui de Jedi, vous avez bien compris, c'est celui d'affronter l'Empereur. Et le choix Sith, c'est de achever Darth Vader. Et donc ça débouche sur une nouvelle fin. Et sans vous en dire plus, disons que quand vous affrontez l'Empereur, une fois que vous l'avez battu, la suite c'est les films, donc les 4, 5, 6, Nouvel Espoir, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Donc en gros, quand vous avez battu l'Empereur, la suite c'est ça, donc c'est j'ai envie de dire la vraie fin. Mais en revanche, si vous décidez d'affronter Darth Vader, il y a une nouvelle cinématique qui se crée, et en fait la suite de cette fin là, c'est les deux DLC que nous propose... Que nous ont proposé les développeurs de Le Pouvoir de la Force. Donc il s'agit du premier DLC sur... Oula, je me fais enchaîner. Voilà. J'aime bien quand il fait ça. Donc il s'agit du DLC sur Tatooine. Et du DLC sur Hoth, en fait. Et donc c'est une suite. Il y a une suite par rapport à quand vous affrontez l'Empereur. Et il y a même une suite entre Tatooine et Hoth. Donc je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient fait ça. Donc ça permet d'un peu ouvrir notre esprit et de laisser parler notre imagination de cette façon-là. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Aïe, par contre là je prends vraiment trop cher. Il perd plus de vie depuis tout à l'heure, tandis que moi j'arrête pas d'en perdre. Ça serait con de battre. Alors pourquoi le choix s'est tenu? Eh bien, je vais vous montrer son nom après. Bah, attendez. Disons que j'ai affronté l'Empereur avec une tenue qui s'appelait la bure d'entraînement de Jedi ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, pour une fin de Jedi, c'est normal. En revanche, pour une fin de Sith, il valait mieux avoir cette tenue-là. Donc ça, c'est la bure Sith. Et donc, je me suis dit, ouais, ça convenait vachement mieux. Oh là, l'effet de la cape est un peu dégueulasse, cette fois-ci, je dois l'admettre. Oh là là, j'ai bugué, là. Alors voilà, petite QTE finale, voilà, tac. Hop là. Tac. Ça va pas lui faire que du bien. Hop là, deux sabres. Deux rouges, en plus, ça fait caler. Et de 1. Et de 2, voilà. Donc je pense que là il est vraiment tout achevé. Darth Vader. Et je vous laisse apprécier la cinématique qui va suivre. La nouvelle cinématique que j'ai jamais vue. Le seigneur Vador n'était plus devenu que l'ombre de lui-même. Je savais qu'un jour tu le remplacerais. Et il ne te reste plus qu'une dernière épreuve. Détruis les liens qui t'unissent aux Jedi. Et enfin, tu deviendras un seigneur Sith. Tes propres alliés.
Je savais que tu me trahirais moi aussi. Et maintenant, en causant ta propre perte, tu condamnes tes amis. Toi qui étais si prometteur, tu aurais pu être mon successeur, mon égal. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, tu peux encore m'être utile. Tu vas traquer et tuer tous mes ennemis dans la galaxie. Tu exécuteras mes ordres jusqu'à ce qu'un nouvel apprenti te succède. Ensuite, comme Vador, il te faudra céder ta place. Finissons-en. Une fin plutôt sombre, j'ai envie de dire, vu que, comme vous l'avez compris, beaucoup des membres de l'Alliance Rebelle sont morts, mis à part, si vous avez bien calculé, Leia, la fille du sénateur. Mais c'était pas du tout censé se produire comme ça, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une fin différente, donc une fin plutôt sombre. Darkiller lui aussi a un destin plutôt tragique, il devient donc inhumain, tout comme l'a été Darth Vader, hein. C'est vrai que cette transformation, ça fait un petit peu mal au cœur de voir le jeune Anakin se transformer en Darth Vader et le jeune apprenti Starkiller se transformer en cette créature, enfin mi-robot, mi-homme. Bon, je vais pas vous laisser le générique, vu que je vous l'ai déjà laissé dans ma première vidéo, enfin dans la vidéo où je tue l'Empereur. Je vais pas vous le laisser parce que c'est vrai que ça fait un peu long et puis même j'ai pas parlé pendant tout ce temps. Donc je pense que là je vais couper la vidéo jusqu'au moment où on va se retrouver sur le deuxième CD, vu que j'ai un deuxième CD, vu que j'ai l'Ultimate Citation sur le deuxième CD pour vous montrer la mission Tatooine, parce que ne croyez pas que j'ai fait une vidéo juste pour vous montrer le boss final une deuxième fois. Non, donc je vais vous comme ça ainsi vous montrer la première mission, le deuxième DLC, vu qu'il y avait avant le Temple Jedi. Eh bien je vais vous montrer le deuxième DLC sur Tatooine, voilà. Donc on se retrouve tout de suite, allez, ciao tout le monde. Enfin, à tout de suite plutôt. Eh bien, la pause fut courte pour vous. Donc on se retrouve sur le deuxième CD, hein. Vous avez sans doute rien compris à ce qui s'est passé, mais bon, c'est normal. Alors, nouvelle partie, tac. Donc on se retrouve sur... On va remplacer ça, tac. Je vais écraser, oui, je viens. Alors on va choisir Tatooine. Et en difficulté guerrier ici. Donc avant de commencer, je sais pas si ça va, voilà. Avant de commencer, donc c'est la suite directe à ce qui s'est passé, à ce que vous venez de voir. Donc comme je vous l'ai dit, là on est complètement détaché des films, mis à part des 1, 2, 3. Là les 4, 5, 6 n'existent plus, cette suite n'est plus possible vu ce qui s'est passé sur l'étoile noire. Mais la suite est bien évidemment la mission sur Tatooine et la mission sur Hoth qui s'enchaîne. Donc ça commence d'abord sur Tatooine puis ensuite sur Hoth. Mais je vais vous laisser apprécier la cinématique d'introduction au DLC. Et je vais me taire, hein. Bonne cinématique, allez, à tout de suite.
seule source d'informations fiables sur ce misérable caillou qui leur sert de planète. Il saura où trouver les droïdes que nous recherchons. Je ne vous décevrai pas, maître. C'est ce que nous verrons. C'est bon, j'espère que la cinématique vous a plu. Donc, on retrouve donc Starkiller dans sa nouvelle tenue. Petite nouveauté. Des éclairs violets. Alors pourquoi violets? Je sais pas, peut-être parce qu'il est plus site qu'il n'a jamais été. Donc voilà quoi. Je vais laisser cette tenue bien sûr, vu que vous l'avez jamais vue, etc. Je vais faire la mission avec. Mais je comptais vous profiter du fait qu'on soit sur un DLC pour vous montrer certaines choses. Comme par exemple toutes les tenues du jeu. Alors, je tiens à informer les gens que les tenues que je possède, c'est toutes celles qu'il y a dans le jeu. Celles qu'il y a dans les DLC, soit il y a deux packs de tenues, je crois, qui sont à 400 Microsoft points chacun, ainsi que des tenues de l'Ultimate Edition exclusive que vous retrouvez ni dans le jeu, ni dans les packs à acheter. Donc, si je devais vous donner un conseil, si vous voulez acheter le jeu, prenez Ultimate Edition qui comprend le jeu entier, les 3 missions DLC, les 2 packs de personnages DLC, plus des personnages exclusifs. Donc c'est carrément 10 fois mieux que d'acheter le jeu plus chacun des packs, parce que si vous achetez le jeu, ok, vous pouvez l'avoir pour 20€, mais si vous achetez les packs en plus, je crois que ça fait 3600 points pour les missions, vu que ça fait 1200 x 3, et 4 x 2, ça fait 8, ça fait 800 points. En gros, si vous voulez avoir les DLC plus le jeu sans acheter l'Ultimate Edition, mais vous en avez pour 20€ plus 4400 points Microsoft. Donc c'est carrément de l'arnaque. Donc autant vous acheter l'Ultimate Edition, c'est un grand conseil que je vous donne, même si c'est peut-être plus contraignant avec deux CD, mais bon, qui se préoccupe de ça, franchement, voilà. Donc si je vais vous donner un conseil, c'est d'acheter celle-là, que vous pouvez trouver à l'aise à 30€. Voilà, donc je vais vous montrer les tenues. Donc vous avez celle de Anakin Skywalker en chevalier Jedi, donc vous l'avez bien reconnu, il est plutôt bien modélisé, je vais pas la prendre, mais bon, je voulais quand même vous la laisser, vous la montrer. D'action, donc vous pouvez lire la description, donc vous avez qu'à faire pause si vous voulez voir qui c'est, donc c'est l'un des seigneurs Sith, bon bref. Commando impérial, donc voilà. Kit Fisto, donc là il s'agit d'un membre du conseil, voilà, celui-là c'est celui qui se fait tuer par l'empereur lorsqu'il est venu pour l'arrêter avec Mace Windu. Luke Skywalker en chevalier Jedi, Obi-Wan Kenobi, Ki-Adi Mundi, donc ça c'est un autre membre du conseil des Jedi, Général Starkiller, donc là on dirait que c'est, enfin c'est Starkiller dans une autre tenue, mais on dirait qu'il fait, enfin il paraît vachement plus vieux, c'est bizarre. Une autre tenue de Starkiller, encore Starkiller mais en mode Assassin Sith, l'esprit de Starkiller, donc ne croyez pas que c'est parce que c'est un esprit que vous prendrez pas vos coups de sabre ou vos coups de laser, donc vous ne serez pas invulnérable. Un soldat de la République, donc c'est marrant de voir un Stormtrooper, enfin je sais pas si c'est un Stormtrooper, c'est juste un clone, se battre avec un sabre laser, c'est plutôt pas mal. On retrouve Luke, mais cette fois-ci avec la tenue sur Tatooine. Starkiller avec une combinaison complètement inédite de toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Ben Kenobi, donc c'est juste Obi-Wan en plus vieux. Version stylisée, donc ça c'est un, ouais, comme ils disent, c'est qu'il est représenté dans un dessin animé Clone Wars, donc voilà, c'est, j'aime pas trop cette tenue, je sais pas, j'aime pas trop. Plo Koon, un autre membre du conseil. Count Dooku, c'est un personnage que j'apprécie vraiment, même si c'est un méchant, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage. Jango Fett, alors ça ravira plus d'un, vu que je sais que Jango Fett et Boba Fett sont deux personnages très appréciés de la saga Star Wars. C-3PO, alors là c'est très amusant de le voir se combattre avec un sabre laser, il est pas du tout mou et peu statique comme il est dans les films, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous changez de tenue, vous avez pas les mêmes déplacements que Starkiller, vous êtes exactement le même, vous changez juste d'apparence. Donc une autre tenue, donc celle-là c'est celle que vous avez quand vous faites le DLC du temple. Reconstitution cybernétique, donc celle-là c'est un peu moi sans mon armure et sans mon casque. Dark Maul, alors comme vous le savez très bien, c'est mon personnage préféré de toute la saga Star Wars, hein. J'étais ravi qu'il le mette. Mace Windu, ça aussi c'est un de mes personnages préférés, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien réalisé, ainsi que Qui-Gon Jinn, donc celui-là vous le savez, c'est le maître de Obi-Wan Kenobi, enfin l'ancien maître vu qu'il s'est fait tuer par Dark Maul, pour ceux qui connaissent la saga. Tracker noir, alors lui donc c'est un peu ma tenue que je porte à présent sans le masque, voilà.
Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous voyait dans le temple Jedi quand on s'affrontait nous-mêmes et quand on comprenait pas que comment on puisse devenir comme ça. Et bien maintenant, on a nos réponses, voilà. Tenue d'entraînement, donc ça c'est notre tenue. Droïde d'entraînement, donc ça c'est un peu des mecs comme Proxy. Je sais pas si Proxy est comme ça ou comme ça. Celle-là, vous verrez bien, c'est la tenue que vous retrouverez sur la mission sur Hoth. Je la trouve plutôt pas mal. Même si je préfère c'est sur Tatooine. Et là, c'est toutes les tenues que vous avez vues jusqu'à présent. Donc mission 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, celle-là, c'était la, comme je vous ai dit, la bure d'aventurier Jedi. Celle-là, c'est la bure de Kanto. Donc c'est la même tenue que celle du père de Starkiller lorsqu'il était sur Kashyyyk et qui s'est fait tuer par Darth Vader. Celle-là, c'est celle que j'ai mis tout à l'heure. Donc comme je voulais dire, une bure Sith. Celle-là, donc c'est la bure cérémoniale des Jedi. Donc je crois qu'il la porte à un moment, Obi-Wan ou je sais plus qui. Je crois que dans le film on la voit, je suis pas sûr. Celle-là c'est celle qu'on a vue donc dans la cinématique de fin de la deuxième fin. Et celle-là c'est celle que je porte actuellement, que j'adore, que je trouve vachement stylée. Voilà. J'ai fait le tour. Pour les sabres laser, rien n'a changé, c'est toujours la même couleur. Je les avais toutes débloquées de toute façon, vous les avez tous vues. Petite nouveauté, c'est que pour les DLC, ou du moins sur les Ultimate City Edition, ils nous proposent d'avoir tous nos pouvoirs au maximum. Donc vous voyez, là j'ai tout amélioré au maximum. J'ai tous mes combos, tous mes talents de force, tous mes pouvoirs de la force, etc. Voilà, donc je vous ai tout montré de ce qu'il y avait à voir, hein, principalement. Et on va directement reprendre le jeu. On est sur Tatooine, on doit récupérer les plans de l'étonnoir pour ne pas que les rebelles s'en servent pour se protéger, voilà. Le capitaine Beerus, l'empereur m'a ordonné de vous apporter toute mon assistance. Fort bien, capitaine. Poursuivez. J'adore sa voix. Bien, monseigneur. Il semblerait que vous avez déjà découvert les Jawa. Quelles immondes créatures. Personnellement, les décors extérieurs, c'est-à-dire les décors qu'on voit de loin sur Tatooine, ils sont plutôt bien... Hey. J'étais en train de montrer quelque chose. Ils sont plutôt bien modélisés, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Le soleil qui se couche. Je crois qu'il y en a plusieurs soleils sur Tatooine. Si je veux pas me... Eh bien. Alors, on va directement... Donc voilà, les Jawa, vous les reconnaissez. Donc, c'est les petits marchands qui revendent des trucs métalliques et tout ça. On les croise dans Un Nouvel Espoir, donc dans Star Wars épisode 4. Très rapidement dans L'Attaque des Clones. Et on les croise, je crois, dans Le Retour du Jedi. Je crois que c'est les seules fois... Ah non, on les trouve aussi sur la menace fantôme, pardon. Je crois. Je suis pas sûr, mais bon. Hey. Voilà. Vous voyez, je peux en prendre plusieurs à la fois, c'est vraiment pas mal. Hop là. Et je les balance tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Voilà, parfait. Ah oui, là c'est ça, c'est des petites maisons. Des petites maisons. D'accord, ok, pourquoi il me monte celui-là? De nouvelles ennemis, enfin de nouveaux ennemis. Donc ça c'est une maison de Jawa, donc en fait si vous détruisez pas... Oula, on voit pas grand chose là. Si vous détruisez pas ces petites maisons, eh bien vous verrez jamais cet endroit. Vous n'aurez jamais tué tous les ennemis parce que ça c'est un spawn infini des Jawa. Donc, je crois que j'ai détruit toutes les maisons d'ailleurs. S'il y en a plusieurs. Je crois que ça fait rien, ça, ouais, voilà. La force, ça leur fait pas grand chose. Les éclaircies, mais bon. Voilà, tac. Donc, je trouve qu'on retrouve. Oh, tiens, si on dirait. Une... Que votre route est bloquée par un char des sables de Jawa. Si vous parveniez à appliquer une très grande concentration de force contre le flot du char. Lui, il a valsé. Je trouve que l'ambiance y est. Je trouve qu'on se sent vraiment sur Tatooine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette mission. Hein. Franchement, c'est mon DLC préféré, mon DLC favori. Voilà, parmi les trois, c'est celui que je préfère. D'ailleurs, Tatooine, c'est justement l'une de mes planètes préférées dans l'univers de Star Wars. Enfin, parmi celles que je connais, bien sûr, parce que je ne connais, bien sûr, que celles qui apparaissent dans les films, vu que, comme je vous l'ai dit, je ne connais que les films et les jeux vidéo Star Wars Power of the Force. J'ai jamais joué à un Battlefront, j'ai jamais lu les livres, les BD, etc. Ça, vous savez très bien si vous avez déjà regardé mes autres vidéos. Voilà. C'est quoi, c'est une grotte ou quoi? Je sais pas ce que c'est. Voilà, tac. Est-ce que ça peut se détruire, ça? Non, ça peut pas se détruire.
Alors là, ça c'est quelque chose que je trouve classe. On regarde en haut. Wow, pas mal. Franchement, la mise en scène est plutôt sympathique. On voit les pierres tomber comme ça là. C'est franchement pas mal. On voit le truc se détruire là. Et on voit un pillard des sables. Je sais pas comment ça s'appelle. Pillard Tusken. Voilà, les Tusken, c'est ceux qui ont. C'est les. Ouais, les bandits des sables, je sais pas comment appeler ça. C'est ceux qui ont tué la mère de Anakin, de Darth Vader, dans l'épisode 2. Donc voilà, c'est bon à savoir. Hein. On les retrouve aussi dans le 1, dans La Menace Fantôme. Et aussi dans. Et aussi, on le retrouve dans le 6, tout simplement. Oula. Oh là, je l'ai jamais vu ça. Eh mais, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. C'est le vaisseau de Jango Fett. Ou du moins de Boba Fett, vu que Boba Fett, c'est son fils. Ou du moins son clone non modifié. Et donc, il a hérité de ce vaisseau. Ah, on va donc rencontrer peut-être Boba Fett. Ça serait intéressant. Vu que Jango Fett, c'est pas possible, vu qu'il est mort dans le 2, il s'est fait découper la tête par... Je crois Mace Windu, si je me trompe pas. Désolé, il fallait absolument que je fasse ça parce que je trouve ça vraiment trop stylé. Même si la disparition des blocs de pierre, c'est pas très bien modélisé, mais bon, on va pas leur reprocher non plus. Excusez-moi s'il m'amuse un peu, hein, j'aime bien. Énorme, franchement, je surkiffe. Je trouve que ça, c'est vraiment plutôt bien fait. Et là, ça va faire rappeler des souvenirs à certains. Et oui, c'est comme dans le 6, donc les petits robots qui te demandent de quitter pour passer donc dans l'antre de Jabba le Hutt. Donc c'est ce qui arrive à C-3PO et à RDD2 lorsqu'ils veulent rentrer parler à Jabba le Hutt, tout simplement. Voilà. Donc ça se passe vraiment comme dans le film, c'est vraiment vachement bien modélisé. Franchement, je surkiffe ce DLC. Et c'est parti. Des gardes. Je sais pas à quoi ça sert ce bouclier d'éclair. Franchement, je sais pas à quoi ça sert. Oh tiens, il est mort. Garde gamémoréen ou gamoréen, un truc comme ça. J'ai pas vu ce que c'était. Ah tiens, je vais prendre ce petit bonus pour que ça va me permettre de tuer plus vite. Parce que je crois qu'ils sont assez longs à tuer vu qu'ils ont pas mal de vie. Ils sont pas forcément très 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 forts, mais ils ont pas mal de vie et c'est assez... Oh lui, il était bloqué, le pauvre. Ah ouais, incroyable, incroyable comme il dit. Je suis tellement puissant que... Tac. Voilà. Dégage toi. En plus la mission, ce DLC, il est plutôt long. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il vaut absolument pas 1200 points Microsoft. Hein. Je trouve que c'est beaucoup trop pour un simple DLC. Autant acheter, je vous le répète, l'Ultimate Sith Edition. Beau travail, merci. Donc, je reçois même des compliments de Jabba le Hutt, qui a pourtant beaucoup vu de... qui a pourtant vu beaucoup de choses, je veux dire. Oh, arrête de m'enchaîner comme ça, toi. Parfait, donc j'ai tué tous les gardes et me voilà. Donc enfin, sans vous spoiler, il va y avoir une cinématique, donc je vais me taire pour vous laisser apprécier. Là, il y a un petit bug de sabre. Le puissant et magnanime Jabba souhaite offrir. L'Empire recherche deux droïdes, un astromécano et un droïde de protocole voyageant ensemble. Toute information fournie par vos espions sera largement récompensée. Tiens, on voit Boba Fett derrière. Seigneur Garindan a dit avoir vu de tels droïdes à Mos Eisley. Tiens, ça vous rappelle rien, ça? Oula, un encore. Bon, après tous ceux que j'ai battus sur Felucia, je pense pas que ce soit une grosse difficulté de battre celui-là. Ah! Il fonce dessus. Ah, par contre là, il me fait un peu mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tac.
Alors, il y a une méthode pour le tuer très rapidement, c'est celle-ci. Et ça vous rapportera aussi un succès ou trophée sur... D'où une... Et un trophée sur PS3, donc j'espère que je vais pouvoir le réussir à le faire. Allez, vite, 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 il m'a lancé une pierre, il m'a lancé... Non, c'est bon, j'ai le temps. Et là, vous faites rien, et ça tombe... Ok, d'accord, gros bug. Oh, je suis vraiment déçu, parce que normalement, il tombe et tout, ça le fait écraser. C'est vachement mieux modélisé que ça. Je suis un peu déçu, là, il y a vachement de bugs sur, sur cette vidéo. Bon, c'est pas grave, hein. En même temps, mon jeu, il est un peu vieux, et ma console aussi. Donc, c'est compréhensible, mais bon, je suis désolé que ça vous... enfin, que ce soit pas super pour vous, hein. Explosion de foudre. Ah oui, oui, j'avais oublié. Donc, concernant les holocrons de Jedi, donc pas les Sith, hein, pas les rouges comme ça. Tiens, j'avais invisibilité au fait. J'avais même pas remarqué. Donc, concernant les holocrons Jedi que je devais récupérer dans, donc, dans la version complète du jeu pour vous montrer où ils étaient, eh bien, ça ne sert à rien de les chercher dans les DLC parce qu'ils vous apporteront aucun bonus. Puis même, de toute façon, vous avez toutes les tenues, vous avez tous les sabres, etc. Donc ça sert à rien que je les récupère, que je vous le montre. D'ailleurs, je sais même pas où ils se trouvent, donc je vais pas m'attarder à les chercher. D'autant plus que la mission est plutôt longue. Donc, voilà. J'aime bien le bruit qu'ils font, c'est vraiment des gros porcs. Et là, c'est qu'à les dire. Par contre, lui, il arrête pas d'enchaîner là. Quand ils commencent leur petit combo là, ils font pas mal, mais. Il vous enchaîne quoi. Vous avez l'opportunité de détruire, enfin de libérer des prisons les prisonniers. Donc là il s'agit de Jawa. Ils vous sont reconnaissants, ils vont pas vous attaquer. Mais il n'y a pas que des Jawa qui sont emprisonnés, si je me trompe. Bah il y a aussi des Wookiees comme vous pouvez le voir. Alors là il y a une barrière de protection, donc je sais pas comment appeler ça. Donc c'est tout simplement, voilà, tac, faut juste, voilà, le faire tomber de cette manière-là. Allez, un peu, hop, allez, voilà, tac. Voilà, tiens, prends ça, toi, voilà, c'est bon, garde. Donc c'est bizarre parce que dans je sais plus quel Star Wars, à un moment, ils parlent de Mos Eisley, et là, ils ont dit Mos Eisley. Alors, je sais pas si c'est... C3PO qui prononce mal. Enfin je sais même pas si c'était C3PO, hein. En tout cas c'était un droïde de protocole. Mais je sais pas s'il a mal prononcé ou si c'était ou ça se dit vraiment comme ça. Donc vous me direz dans les commentaires si ça s'écrit, enfin si ça se dit Mos Eisley ou Mos Eisley. Voilà. Ah peut-être, peut-être que j'ai même pas besoin de connaître la réponse. Si ça se trouve c'est juste la prononciation anglaise qu'ils n'ont pas informée, ou la prononciation française, etc. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Non, pas ça. Voilà, ça. Tac. Les mecs me tirent dessus, ils n'arrivent même pas à me viser. Et même quand ils me visent, ils me font vraiment pas mal. Donc c'est cool, je peux relire les présents. Ah pardon, par contre, le mec, là, je voulais pas le tuer. Ah, je tue les prisonniers, je suis vraiment... Voilà, un moyen plus simple d'accéder à... Eh bien, tu veux pas passer, quoi. Un moyen plus simple d'avancer dans le level. Que de passer forcément par les trucs électriques, là. Qu'il faut désactiver, etc. Bon, après, je suis un peu dégueulasse parce que je laisse les Wookiees faire le sale boulot. Et moi, pendant ce temps, je tue aucun ennemi. Mais après, vu que la mission est longue, j'ai pas envie de faire durer la vidéo trop longtemps. Voilà, parfait. Ah tiens, on dirait un Rodien. Ah mais c'est un Rodien. Les créatures qu'on trouvait sur Braxus Prime. Enfin, créatures. Les locaux. Bon, j'en ai marre pour passer par la prison. Je vais directement passer par le milieu, voilà, comme ça. Voilà, parfait. Tac, tac. Tac, je sais pas ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Et toi, je te bute. Voilà, tac, parfait.
Aussi, je voulais parler de mes Walshu. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est vrai que mes vidéos sont principalement vues grâce à mes Walshu. Donc, c'est pas vraiment mes vidéos sur Call of ou autre qui font rapporter des vues. Donc, j'hésite franchement à faire basculer ma chaîne en exclusivement pas Walshu, mais plus Walshu que le reste. Donc, vous me dites. Enfin, ceux qui regardent toutes mes vidéos, c'est-à-dire Walshu et le reste, dites-moi si ça vous gêne ou pas que j'arrête mes vidéos sur Call of, etc. Ou si ça vous dérange pas, vous me le dites. Je compte aussi peut-être abandonner mon projet de la Frag Movie communautaire. Je sais pas si vous en avez entendu parler, hein. C'est sur Call of Duty, là aussi. Parce que là, j'ai reçu pas beaucoup de clips. J'en ai reçu deux de mes amis proches. Et un d'un de mes potes qui... d'un de mes abonnés qui m'a proposé un clip. Il m'a montré... Excusez-moi. Très bien, monseigneur. Nous ferons dépêcher un escadron. Vous n'en ferez rien, capitaine. Je me chargerai moi-même de ces droïdes. Oui, monseigneur. Bien sûr. Donc, comme je disais, je pense que je vais abandonner cet truc parce que il y a que deux amis qui m'ont proposé des clips. Là, vous récoltez un succès quand vous faites ça. Il y a que deux amis qui m'ont proposé des clips pour ma Frag Movie, donc je pense que je vais l'abandonner. D'autant plus qu'il y a aussi une personne qui m'a proposé un clip, un de mes abonnés. Mais le problème, c'est qu'il me l'a mis enfin, je croyais qu'il fallait mettre en privé la vidéo et pas en public. Et c'est ce qu'il fallait faire, mais il fallait pas la mettre en privé, mais en non répertoriant, en non répertorié. Je lui ai dit que j'arrivais pas à la voir et du coup, ça a rien changé. Il a toujours pas mis en non répertorié. J'ai plus eu de contact, donc j'ai toujours pas son clip. Donc du coup. J'ai vu que j'en ai pas d'autres, de toute façon, j'hésite à abandonner ce projet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser des clips, hein, sinon, voilà. Donc c'était ma petite parenthèse concernant ma chaîne. Donc, je sais qu'il y a, voilà, il y a un holocron ici. Alors, le seul avantage des holocrons dans ce level, c'est de récupérer tout votre vie et tout votre point de force. Alors, tiens. Donc ça, il s'agit de garde de ferraille en un peu plus vieux, j'ai envie de dire, un peu plus... On dirait qu'ils ont, rouillé, en fait. Voilà, il y a marqué holocron récupéré. Je sais pas si vous avez pu le voir avec tout ce qui s'affiche à l'écran. Et en gros, ça veut dire que quand vous récupérez un holocron, ça vous rapporte rien. Donc ça sert à rien que je vous montre où sont placés les holocrons dans ce level. Et dans le level suivant, donc le DLC du... sur Hoth, que je ferai sur Hoth. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'il y a un spawn infini. Voilà, donc si vous ne faites pas ça, vous allez finir cramé, vous comprendrez pas pourquoi, donc je vais pas le faire. Voilà, on continue la mission. Donc on a apparemment connaissance du fait que les droïdes sont à Mos Eisley et on va devoir les récupérer, voilà. Un nouveau Jawa. Ah oui, je crois qu'il y a un succès. C'est... voilà. Mettre 5 Jawa dans ce truc là, dans la roue là. Et B. Voilà, tac. Enfin, faut les faire écraser. Il y a un succès, c'est faire écraser 5 Jawa, donc... Donc là, on retrouve Proxy dans un piteux état. Et donc, bon, pour ceux qui savent pas comment faire pour passer cette salle, mais c'est très simple en fait. Il suffit de prendre Proxy et de mettre devant le. Je suis navré, Seigneur. Je crains que mes circuits principaux ne soient toujours endommagés. Je ne suis pas en état d'attenter à votre vie. Par ailleurs, je n'ai plus de gens. Voilà, il faut faire comme ça. Et de cette manière, vous pouvez passer. Merci. De rien, Seigneur. Ce fut agréable de travailler. Donc là, on a vraiment conscience que ce proxy est carrément démonté, détruit. On croyait mort, hein, je vous rappelle. Donc je crois que les flammes elles one shot, donc je vais pas faire. Je vais pas prendre le risque. Ce passage, ça m'avait un peu pensé à. Au passage sur Genosis dans l'attaque des clones, quand Anakin et Padmé sont sur un tapis roulant comme ça ou sur l'usine de montage des droïdes de combat,
Et pareil, il y a des flammes, il y a des trucs qui découpent comme ça. Donc ça fait, ça, en fait, ce passage-là, ça m'avait un peu pensé à ça. Là, par contre, je me suis fait écraser. Alors là, vous le voyez pas, mais il y a un holocron. Bon, je l'ai récupéré parce que j'avais presque plus de vie. Et vu que les holocrons me donnent toute ma vie, ben, je l'ai récupéré, voilà. Donc là, c'est carrément en feu, on voit rien et tout. Allez, vite. Ouais, c'est bon. Et voilà, on passe par ici. Monseigneur, il semblerait que nous... est en train de brouiller notre fréquence de transmission. Donc quelqu'un brouillerait apparemment notre fréquence de transmission, mais qui peut être ce dernier? Peut-être que vous l'avez deviné, hein, je vais pas vous spoiler. Vous allez de toute façon vous en rendre compte, voir qui c'est. Boba Fett. Mais la pagaille. Ta tête vaut son pesant de crédit. Alors, je vais m'empresser de la rapporter à Jabba. Il se prend pour qui, le mec? Il affronte un méga Sith super puissant qui a tué Darth Vader, etc. Et il veut m'affronter? Non, mais il se prend pour qui? Boba Fett, non mais... il a pas compris encore que j'étais quasiment invincible. Hein. Surtout en guerrier Sith. Ah, l'attaque. Tours de passe-passe ne me font pas peur. Merde, j'ai un peu failli mon éclair. Il est tellement incapable qu'il a peine des gardes et tout. Bon, il s'est fait tuer tout seul. Enfin, il s'est fait, voilà quoi. Il va falloir faire mieux. Alors là, je démonte sa race. Oh là là. Il prend gavé cher. Eh bien, Oh, je suis trop bête. J'étais derrière les trucs, j'avais même pas remarqué. Bon, je vais m'écarter les gardes, comme ça je vais pouvoir l'affronter seul. Seul à seul. Franchement, les éclairs, c'est ce qu'il y a de plus efficace contre lui, comme vous pouvez le voir. Et il prend vraiment méga cher. Tu es encore pire que Vador. Ah ouais, je suis pire que Vador. Alors là, quand vous avez ce petit truc rouge autour de vous, ça veut dire qu'il vous vise et qu'il vous lance un missile, comment dire, à tête chercheuse. Donc vous l'évitez, hein. Bon, de toute façon, en guerrier, ça vous fait pas beaucoup de dégâts. Il est très simple à battre, ce boss. Mais c'est vrai que c'est assez agréable, assez marrant de se battre contre Boba Fett. Un personnage quand même, comme je le disais, emblématique de la série. Voilà. Voilà, ouais, putain, j'ai pas trouvé exceptionnel, personnellement. Elle est même un peu prévisible, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça vous rappelle rien, ça, le casque qui tombe, etc. Donc c'est comme dans l'attaque des clones où Boba... Django Fett, on retrouve que sa tête. Mais la mission n'est pas terminée, on a vaincu un boss, mais la mission ne se termine pas. Voilà de longues années que j'attends de détruire le véritable Obi-Wan Kenobi. Donc là, on se trouve contre, vous l'aurez compris, Obi-Wan Kenobi en un peu plus vieux. Il est quand même assez pas facile à battre. Hein. Personnellement, je trouvais un peu... Vous voyez, il nous enlève au taquet de vie. Colère obscurcit ton jugement. Ouais, mais elle obscurcit pas mon pouvoir. Ah, la attaque. Bon, il prend quand même gavé cher. Hein. C'est quand même moi qui suis sur l'offensive et lui sur la défensive. Ouais, j'ai rien dit. Ah oui, là c'est un coup incontrable. Enfin, imparable plutôt. Ah oui, là. Là, il fait comme enfin, il contrôle mon esprit, ce qui fait que tous mes mouvements sont inversés. C'est assez désagréable. C'est-à-dire que quand je fais A, ça saute pas, etc. Les touches sont complètement inversées, et du coup, c'est vraiment désagréable. C'est la ruse Jedi. Ton maître te trahira, c'est ça. Ça y est, j'ai vaincu.
QTE final. Hop là. Il se bat quand même. Aïe. Ça va vraiment pas faire mal. Pas faire du bien. Étrange, vous allez me dire, on se bat contre l'esprit d'Obi-Wan. Eh oui, c'est bien possible. Par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est exactement le même boss. Seulement, on peut pas l'attaquer comme ça. Il faut, pour le rendre vulnérable, il faut l'électrocuter, donc lui mettre de l'éclair dessus. Ah bâtard. Donc vous avez bien compris que vous avez tué Obi-Wan Kenobi. Il ne reste plus que son esprit. Et pour l'éradiquer une bonne fois pour toutes de ce monde, il va falloir que je vainque son esprit. Donc je trouve que franchement Tatooine c'est une de mes missions préférées parce que bon, c'est vrai que j'aime bien Obi-Wan Kenobi, hein. C'est dommage qu'on le tue hein, vu que c'est l'un de mes personnages favoris. Mais bon. Fallait bien. Hop là, QTE final, allez. Mais finale chez finale cette fois-ci. Terminé pour Obi-Wan. Fuis Luke, fuis. Donc il a mis un mouchard sur le vaisseau afin de pouvoir savoir où il part. Mais il n'a pas réussi à le suivre. Il a en quelque sorte, plus ou moins, réussi sa mission. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce DLC sur Tatooine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière tout de même. Parce que... On a quand même commencé sur Star Wars le premier du nom, enfin le pouvoir de la force le premier du nom, pour finir sur Tatooine. Donc ça c'était juste pour être le plus clair possible, hein, pour que vous ne soyez pas perdus dans le scénario. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao tout le monde, allez bye.